Oh oui, elle pue. Hein? De quoi? Elle pue. Elle pue plus ou Ah à oui, tiens, tripu? regarde. Commence pas qu'on en rachète. Mais de toute façon, moi, c'est des grandes. Ouais. C'est des grosses oranges avec le bébé que j'aime bien le matin. Des grosses oranges. Vous êtes haut, hein. Fou, là, vous avez pas peur là-haut. Au En altitude si haut que ça. bonsoir à tous. Bonsoir. Non, bonjour à tous. D'accord, on va te coucher, Guillaume. Petit déjeuner entre amis. Enfin, entre Entre nous. amis. Bah, Ah bon, ils sont où? ils sont là-dedans. Ils sont là-dedans, dans la boîte là. Chambers. Comment allez-vous tous? Oh, il Ah y a oui, un il y a chat une noir. abonnée qui m'a dit à quoi que c'était celui-là parce qu'elle a commandé de la Il tarte. voit pas. Elle a eu la même chose que ça aussi. Ah bon? Elle m'a dit, je crois que c'est poulet, elle m'a dit. Oui, poulet. Ah, yo poulet. Yo poulet, Et ça, les. c'est quoi? Et bébé va out. Poulet, poisson. Poulet. Tu veux Poisson. celui-là, bébé, poulet, poisson? Maman va goûter. Ah oui, maman va goûter. Mais bien sûr. Pardon, mais moi il faut que j'aille chercher là. Mais bien sûr, maman va goûter. Mais bien sûr. Mais bien sûr, hein? Bon. It's my life. Oh là là, c'est quoi cette chanson? Bah, c'est une chanson de TikTok, c'est du ensemble. C'est toi qui mets les chansons dans la tête comme ça là. It's my life. Bon, mais comme si on n'était pas là, on fait notre vie, hein, du dimanche du matin. Pourquoi tu touches à la tasse? Un sucre, pas deux. Deux sucres, c'est trop pour Tu moi. veux une boule d'un kiki, or qu'il y en a deux? Non, mais j'ai trop avec un seul de sucre. Ouais, mais t'as une grande tasse, hein. Oui, mais même. C'est partout. Vous pouvez pas la prendre en même temps? Il y en a une grosse là. Tiens, on n'a plus les grosses fourchettes. Mais parce qu'ils sont au sol! Oh, pardon. Et puis moi je m'en sers aussi. Tiens, je sais pas si tu arriveras à garder l'étiquette. T'as vu ceux-là comment ils sont faits? Oui, mais les aimes bien ceux-là. Ouais, mais on n'en trouve pas dans le commerce des ceux-là. Si tu dois avoir à peu près pareil, mais c'est pas la même marque. Ouais, mais ça s'appelle comment? Ça, c'est la Viva Cats. Ça va bien porter un ours, hein. Oh ben, ça vient d'Espagne, t'auras pas. Allez, venez. Kit Kat. C'est la marque Kit Kat. Il doit encore écrire encore plus petit, c'est con. Alors, laisse tomber, je vois rien. Oh. Bah lui, il est tellement gros qu'il bouffe tout. Du coup, comme il était parti à manger, t'as fait du bruit, ben voilà. Oh. Là, il mange plus. Il va revenir. Et la chaîne, moi je vais l'enlever. Non, tu la laisses. Mais elle me saoule! Moi, le grille-pain, tu le on branche pas pour faire mes parties. Putain. C'est quoi ça? Un truc sur ta tablette, je sais pas ce que c'est. Poussière! Peut-être. Voilà, j'ai regardé le prix des friteuses. Ils ne voient pas les jeunes. Peut-être j'ai remis tes chips à leur place. Ils J'en ai marre que t'envahisses De quoi? Mon espace? l'espace alors que c'est pas fait pour les chips. Mais pourquoi ils...
Ah. On n'a toujours pas envoyé ça. Quoi, envoyer? Non! Il faut des sous pour ça. Tourner. Mais non, ils vont pas tourner. T'es pas tourné, toi. Ben, je vais aller là pour qu'on y pense, parce que j'en vais pour la ZPC. Bon, je disais que... Je vais lire. Notre vieille... notre vieux... Pourquoi t'as mis la grande lumière comme ça? Parce que sinon, on voit pas. Parce que dehors, il fait noir. Je disais que le ciel est bleu, la mer est verte. Non, je peux. On va peut-être prendre une tartine aussi. On va faire des tartines. Tu peux sortir mon lait? Il y a de la tartine. Non. Tu veux le truc entier? Tu veux les deux? Ou une seule? Quand je dis deux, c'est coupé en deux, ça fait deux tartines. Oui. Tu veux oui? Oui. Oui, elle a dit oui la meuf. La meuf, elle a dit oui. Comme je disais, j'ai regardé le prix des, de la friteuse. Voilà, la longue là, avec le panier, tu sais, comme il y a dans les restaurations. Elle est à 19,90€, qui veut dire un petit billet de 20€. Et celle-là, la noire, là, la bizarroïde, là, elle est à 49€. Alors, verdict. Oh là là, mais t'es sérieux là? Mais c'est à moi que tu parles? Non, c'est au voisin. Ah bon, je croyais que c'était aux abonnés que tu parlais. La noire, elle est à 19,90€. Non. Je recommence. Tu écris pas dès le matin là. Parce que la meuf, elle a rien entendu. Sors. La longue comme il y a dans la restauration, avec le panier, le gros panier oui, là. Oui, je sais. Elle est à 99€. Elle est à 19,90€. Et celle la noire là que soi-disant tu peux pas faut pas mettre de l'huile. Enfin tu peux pas. Non, il faut pas mettre d'huile là, c'est faut pas mettre d'huile. Elle est à 50€. Ça va? Bon. Tu vois les quelques c'est qui tu rentres, tu te sers comme ça et tu peux piocher les frites là-dedans. Oui, il paraît qu'ils sont bien. C'est bien. Oh, il y a un chat noir par terre. Vous voyez là le chat, le truc de. On dirait un paillasson noir. On dirait un petit paillasson noir. Oui, mon bébé d'amour, c'est papa. Oui, papa. Alors, est-ce que c'est bien? Moi, j'arrive pas à l'enlever parce que. Pourquoi on n'arrive pas? Parce que. Tout simplement. Obligé de mettre deux fois pour que ça soit bien grillé. Non. Bah là je l'ai mis et il est tout blanc quoi le bordel. Bah, c'est normal si tu mets pas Il est à plus. Mais pas mettre trop non plus. Parce que de toute façon tu ne manges pas trop grillé toi. Aïe. Je suis pas prêt de fermer les yeux quand je te parle. Tu veux hein. Is my life. Arrête parce que j'ai la chanson dans la tronche depuis tout à l'heure. Is my life, is my life, is my life, is my life. Oh, la tronche. Tu peux passer deux cuillères. Tu peux pas te... deux cuillères. Ah, toi et moi. Oh. Ou moi et toi. Oh. Comment elle a dit ça la meuf? Entre toi et moi. Ça sent là.
contre oui, toi et moi, contre le monde voilà, entier. Nani, nani, nana, nani, nani, nana. Ça fait comme les croissants au jambon hier. Ah, 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 tchoum. Chut. Mais c'est chaud. Elle prend une assiette, elle met les dedans. Alors vous savez quoi les amis? Oui les croissants au jambon, on les a cramés hier. Ouais, on a fait comme petit cœur hier soir, on a fait cramer sa pizza. Par contre c'est la faute à petit cœur. Oui c'est la faute de petit cœur, je vais être marin petit cœur, c'est ta faute, toi. Tu nous as donné la poisse. On met les croissants au four, moi je fais la table et tout. Non, c'est je moi qui les mets au four. Ouais c'est la meuf qui la met. Qui les met. Qui les met, elle aimait le four. Et moi je commence à mettre la table et tout, je fais pas trop attention. Parce que vu que l'allié était là, donc je lui dis bah elle va surveiller. Et puis, au bout d'un moment, je fais. Ah non, tu as fait des tartines toi aussi. Oui. Alors, au bout d'un moment, c'est marrant ça. Ça sent un peu le brûlé. J'ouvre le four, putain, les croissants cramés. En plus, j'avais dit, je les ai mis. Cramés de chez cramé. Tu veux dire tout le dessus était cramé. Alors regarde le sous, ça allait à peu près. Mais si je serais pas venu, tout aurait été tout noir, comme bébé noir. Et là, t'as dit noir de chez noir. Ça a commencé à sentir aussi, au bout d'un moment, j'ai failli dire ça sent. Alors donc c'est la faute de petit cœur à cause d'elle. Voilà, elle nous a porté la poisse. C'est quoi qu'elle avait cramé petit cœur? Sur sa pizza. Tu vas regarder une photo de ta pizza cramée. Ah bah elle a dû la manger là. Donc voilà l'histoire des croissants qui ont été cramés. Après elle me dit ouais mais il y en a d'autres, on va les sortir. La vieille. Je dis on va pas ressortir vu l'heure, il était presque il était pas loin des minuit. Non 11h et quelques. Non, moi, je vais pas me faire chier. Laisse-moi faire. Du coup, comme il restait encore une part de galettes, il restait encore deux galettes. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le croissant. J'ai mis au milieu. J'ai mis un petit peu de sauce. J'ai entouré et four à micro-ondes. Et ben, on s'est régalé. On a mangé ça. Et on a mangé ça avec du rôti de. Vous savez, les rôtis déjà tout cuits là dans les sachets. Rôti de dinde, super bon. Fumé. Et moi, comme d'habitude, j'ai mis plein de sauce. La vieille aussi. Non, j'ai mis plus de langue. Et ben, t'as mis de la sauce. Mais non, j'ai pas mis plein. Si, je t'ai vu. Non, j'ai mis un petit peu de ça comme ça sur le rebord. Tu m'as vidé ma sauce. L'assiette. J'aime plein nos syndicats, t'as vidé ma sauce. It's my life. Et voilà. Voilà, c'était l'histoire. C'était l'histoire d'un croissant cramé qui a été. Qui a été finalement à moitié sauvé. Donc il restait que le. Il avait plus de jambes, mais il restait que le corps. Mais c'était pas mauvais hein, le restant de la galette. C'était bon. Moi j'ai bien mangé en tout cas. C'est vrai que du chèvre, mon paquet de chips. C'était excellent. C'était très très bon. Donc je vais vous donner quand même des nouvelles de Prunella. Donc c'est bien réveillé ce matin de bonne heure. Et je l'ai accompagné à la gare. Et on l'a foutu dans un taxi et pas dans un Uber et puis c'est bon. Non, je l'ai accompagné à la gare. On voulait pas taxi Uber, ça te coûte trop cher. Oh l'autre. Mais elle avait accompagné à la gare en pyjama. Mais je vais t'habiller, tu ronflais comme je sais pas quoi. Et vous avez déjà pris son billet pour l'aller-retour?
Donc voilà, je l'ai accompagnée à la gare et elle vous fait de gros gros bisous. Et puis elle a dit bah peut-être une prochaine fois. Voilà. Voilà les nouvelles de Prunella. Voilà les nouvelles de Cruella. Mais elle voulait rester, mais bon, elle a un chez-soi, elle habite dans le sud, hein, donc voilà. Elle avait sa petite larme. Je vais prendre déjà assez de place dans le lit comme ça. Donc, ça ferme à... Ah oui, mais ferme toujours à 13h, les Dorpins. Non, j'ai vu que le dimanche, maintenant, ils sont ouverts jusqu'à 18h aussi. Ah, je sais pas. Si, pour la cause du couvre-feu. En tout cas, le Carrefour City, c'est jusqu'à 18h. Et du coup, moi, vu que j'étais pas là, bah, j'étais chez un pote qui m'avait invité à manger. Je suis rentré, il était 3 ou 4 heures du matin. Donc voilà. Voilà les nouvelles! En tout cas, elle a passé une très très belle soirée avec, bah avec vous, hein, les abonnés. Elle a beaucoup aimé. Elle a dit la prochaine fois, j'en refais une et tout. Elle a beaucoup 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 aimé. Elle a vachement adoré. Et tu sais, les gens, ils m'ont parlé sur l'avocado là. Au McDo. Oui, alors il est bon ou pas? Non, dégueulasse, il paraît. Ah bon? Il est pas bon, ils disent que de la publicité c'est mensongère parce que tu vois, tu sais, quand tu vois la publicité, il y a une tonne d'avocats. Oui. Enfin, quoi, c'est du guacamole. Oui, bah, je m'en ouais, doutais. et ben là, quand tu la prends au McDo, il y a juste une cuillère. Ah bon? C'est tout. On se fait encore taper sur les doigts. Mais il paraît que franchement, il est bien tout négatif ce truc. J'ai vu sur Facebook, c'était marqué. Et on se fait taper sur les doigts. La pub du McDo, il parlait de l'avocado et Léon, les critiques. Avocado! Avocado. Et ils ont eu des critiques, je te dis pas. Ouais, je pense que si ça marche pas, ils vont. Ils vont pas faire long feu le truc. Ah non, ils vont le retirer, c'est logique. Ils vont le retirer. Ils vont pas laisser un truc si ça. Si les gens ils vont prendre parce que voilà, ils sont. On est tous, la curiosité, oui, on est tous curieux, donc voilà, mais on va goûter. Là, mais à mon avis, que voilà. Des critiques, que des critiques. Mais ça tout dans le tas, il y en a qui vont aimer. Hein. Ah bah, je sais pas, mais en tout cas, il y en a qui vont aimer. Hein, pour tous pas... ceux qui l'ont acheté là. Faut pas dire que les gens ils aiment pas. Hein. Moi, franchement, ça m'a dit. Moi je le prendrais bien parce que du fait que j'aime bien le guacamole. Bah ouais, t'as qu'une cuillère. Mais t'as pas grand chose, hein. T'as rien. Tu sais, du coup, je te ramène la photo qu'ils ont fait, tu montres. Je fais exprès de pas les mettre sur le truc. Parce que même tu mets plein de poils et toi tu les remets sur la truc. Vous pouvez pas la m'arriver dès le matin, hein. Tiens. La confiture était plus bonne. Ouais, dégoûté. Il n'y a pas de beurre salé. La confiture, laisse tomber. La fraise est terminée. Et ça se termine. Ça part en nuit ici. Bah, pourtant, c'était la marque Bonne Maman, mais je sais pas. Peut-être parce que c'est de l'abricot, j'en sais rien. J'aurais dû acheter la confiture qu'ils vendaient à Leader Price là, quand ils ont fait le truc de la Chandeleur. Aux figues. On m'a dit que c'était bon. Par contre, la confiture, faut acheter que de la marque Bonne Maman. Vous vous rendez ah compte? Non, regarde, la mienne, elle a tourné. Celle-là, je vous promets, hein, ça fait plus d'un an qu'on l'a. Plus d'un an qu'on l'a. Mais c'est pas des conneries, c'est vrai, c'est réel. Hein. Et elle a même pas bougé. Elle a pas moisi ni quoi que ce soit. Non, bah, la mienne, elle a tourné. Pourtant, c'est une bonne maman. Et là, bah, là, je vais la finir. Il reste toujours en chaud. Je vais la finir, puis eh ben, on en rechètera, on en reprendra d'autres.
Je sais pas quand, mais on en reprendra. D'habitude, on prend toujours des confitures quand on va au magasin, mais là, j'ai zappé. Ouais, mais je crois qu'on prendra de la marque cette fois-ci. On prendra de la confiture, bonhomme, parce que si elle tient comme ça, franchement. Moi, j'aime bien la confiture de rhubarbe. Mmh. Ouais, c'est bon, ça, j'aime bien. C'est bon. Alors, en fait, Marie-Noël. Marie-Noël. Excuse-moi, Marie-Noël, non, c'est pas toi. Marie-Laure, elle m'a dit qu'on trouvait de la rhubarbe chez Picard. Oui, en surgelé. En morceaux, là. Parce que comme j'arrive pas à en trouver. Moi j'aime bien faire la tarte à la rhubarbe. Bah oui, toi tu sais la faire. En plus, quand je la fais, je vous dis pas, il reste pas grand chose. Tu sais la faire. Quand je la fais, je la mets avec des pommes pour un peu l'acidité de la rhubarbe. Je me rappelle à l'époque où il y avait encore mon fils à la maison, je vous dis pas. Ça faisait même pas. Entre Guillaume et Geoffrey, ça y est, la tarte. Hein. Ça faisait même pas une journée la tarte. Il était temps que je me prenne une tarte, une part, hein, parce que autrement. Donc ça sera aussi une petite recette à faire. Ça sera pas mal. Du coup, j'irai acheter de la rhubarbe chez Picard, maintenant je le sais. Je prendrai des pommes. S'ils ont des pommes coupées déjà chez Picard, je prendrai. Autrement, j'achèterai des pommes. Bon déjeuner à tous. Hein. Il est 10h, hein, je pense qu'il y aura beaucoup qui vont dû se lever et qui déjeunent. Bon petit déjeuner. Beautiful box, dernier rappel, votre box est à 3,50€. J'hésite à. Je sais pas. À 3,50€, c'est sûr que ça fait pas cher. Ouais, mais là, moi, j'ai plus rien sur le compte. Mais t'as pas demandé ton avis. T'as plus rien sur le compte. Moi, j'ai sur mon compte. Je t'ai demandé. Prends-la alors. Je t'ai demandé. Oui. Non. Prends-la alors. Dernière heure, 3,50€. Bah oui, profites-en. Et vos 4 prochaines routines beauté pour 14€. Vite, je veux mes 4 routines à 3,50€ chacune. Ah bon? Ouais, mais ça, j'ai peur que je le fasse. Soit 4 routines beauté égale 14 produits format vendus d'une valeur de 282€. Ouh, pour seulement 14€ seulement. La rupture de stock est imminente. Les 4 pour 14€. Je craque pour mes 4 routines avant qu'il ne soit trop tard. Ah, tu payes 14€ au lieu de 200 et 4. Ouais, les 4. Ah bah, ça vaut le coup. Hein. Ouais, mais... Beautiful box. Ouais, mais il y a quoi dedans? C'est que des trucs gros de beauté. Ah, que de la beauté. Imagine, t'en prends qu'une. Non, c'est que j'aimerais bien prendre, c'est celle que il prend Chris là. Aussi la nourriture. Je sais pas s'il a mis le lien, Chris. En tout cas, ça fait un moment qu'il a pas fait de vidéo. Bah si, il a fait la vidéo avec son toutou. D'ailleurs, il est venu hier sur le live, il a dit bonsoir et après on l'a plus revu. Bah oui, j'ai même dit, oh bah tiens, Chris, c'est la première fois que tu viens sur l'autre live. Ah oui, ah bah tu t'es bien lui. Bah, j'ai reconnu Chris et machin. J'ai plus, excuse-moi. Je me rappelle plus, c'est Chris, je sais Chris et après. Oui, il a peut-être continué à. Non, il n'y avait plus d'autres messages. Oui, mais il a peut-être continué le live. Ah, il a peut-être continué à regarder. Voilà, aujourd'hui, il y a mamie qui fait un live à 16h. Sibi, je sais pas si elle en fait. Là, je vais lui poser la question. Oh, ma ouf. Elle est déjà réveillée, Sibyl. Ah bah elle se lève comme les poules, Sibyl. Dès qu'elle entend le coq, elle se lève. Elle m'a envoyé un message sur Instagram, mais... Mais je peux parler. J'ai pas écouté. Attends, je vais lui demander. Coucou Sibyl, j'espère que tu t'es réveillée. Guillaume, il a dit que tu te levais comme les poules, donc... C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est Guigui. C'est juste pour ça, savoir si c'est tu fais... Un... Toi, j'arrive pas à parler, donc il lâche un mot à chaque fois. Juste pour ça, si tu fais un live aujourd'hui, à quelle heure? Merci. Mmh.
Manu, c'est 16h, ça je sais, elle a dit hier sur le live. Elle l'a dit sur sa vidéo aussi. Sur la course. Il y a un. J'ai oublié de dire aussi sur le live un très grand merci pour la youtubeuse Joël. Joël qui est passé sur notre live. Joël, elle est venue sur le live? Oui, Joël, elle est venue sur le live. Oui. La fille à mamie? Oui. Ah bon? Ouais. Elle donc, merci, merci, merci. Au début. Bah, elle est restée pas mal de temps. Je l'ai pas vu. Donc, merci à toi, Jojo. C'est super gentil, ça m'a fait très très plaisir. Tiens, après, il y a eu sa mère qui est arrivée, mamie. Mamie, pas sa mère, mamie. Bah, c'est sa mère! Oui, mais on dit mamie, nous, on dit pas sa mère. Oui, elle est mamie. Mais c'est pareil, ça le même. Oui, je sais, parce que mamie, après, elle est revenue, elle a dit, me revoilà. Donc, voilà, je tenais à remercier. Je tenais à remercier Joël, youtubeuse. Donc, si vous connaissez pas Joël, allez voir sur son sur sa chaîne. Vous allez très très bien. On rigole bien, franchement bien. Donc, si vous la connaissez pas, c'est Edouard aux mains d'argent, ça. Oui. Tu t'as même pas regardé. Il dit oui avant d'avoir regardé. Bah oui, ça se voit, non? Mais oh, va te calmer ta joie là. On a vu sa tête. Oui, mais je demande. Mais t'arrêtes de dire putain. Toi, t'arrêtes pas. Vous avez vu les gens? Oh merde, je fais conneries. Tu fais faire des conneries. Tu es ta soeur. Qu'est-ce qu'il y a, Mouse? Je ne te donnerai pas à manger. Non mais c'est bon, hein, il a à manger là-bas. Tu t'es tapé trois gamelles depuis je sais pas quelle heure. Arrête de dire à chaque fois je vais pas donner à manger. Ils comprennent ce que ça veut dire manger, Miam. Non mais tout à l'heure il est encore tourné en rond là. T'as des croquettes? Non, il joue avec Blacko là. Le matin. Ah, mais ça est chiant le matin. Par contre, il est chiant le matin, la journée, le soir, il n'y a que quand il dort. Et encore. Même quand il dort, des fois. Non, parce que moi je dors. Ouais, bah non, des fois tu râles, il faut que je t'enregistre. Je râle la nuit? T'es sérieux, hein? Ah bon? L'autre fois, j'ai voulu t'ordonner ton coussin. Hein? Mais c'est normal, t'arrêtes quand tu es en train de dormir. Je te jure, il était avec son coussin, il était là. Laisse-moi mon coussin, laisse-le tranquille. Ou alors il me le balance dans la tronche, je me prends le coussin dans la pleine tronche dans le nez. Je me fais agresser même pour aller me coucher. Non, vous comprenez pourquoi je ne dors plus la nuit. J'attends qu'il finisse, qu'il soit au travail. Moi je suis sûr que je me fais pas agresser par un coussin. Oh mon dieu. Je te jure, je vais te filmer la prochaine fois. Et je le mettrai sur YouTube et ils verront les gens. Ouais. Comment tu m'agresses la nuit. T'es même pas chiche. Ne dis jamais ça avec moi. Putain, je crache dans mon bol. Les gens, vous voulez? Toujours, je vous le fais. Ah oui, ils vont pas dire non. Ils vont dire oui, oui, oui. Une fois qu'il est ce jour-là, il faut que je l'embête et qu'il lance le coussin. Oui, c'est là que je vais pas le faire. Allez, même une fois, il m'a foutu son coude dans le nez. Oh, mais ça, c'était par accident. Comme ça. Ah. Je vous dis pas le réveil. Plus de nez, Cécile. Vas-y, tu l'as encore. Aplati. Ouais, tu l'as encore un peu. Ah, les coups de coude, il y va. Hein. C'est normal, mais il a le coude bien pointu, là. C'est même pas un coup, je vous dis, c'est un truc pointu. D'ailleurs, je lui dis, la nuit, enlève ton truc pointu là. Bah, je précise. Le coude. Ouais, mais j'ai même mon kiki à dire. Enlève ton kiki pointu. Il est pas pointu le kiki.
Tu viens, enlève ta mitrailleuse. C'est normal, je bouge tellement la nuit que... De toute façon, comme souvent, elle est pas là parce qu'elle n'arrive pas à dormir. Donc moi, je prends mes aises. Donc je peux pas savoir quand quelqu'un est dehors, je peux pas savoir si il y a une personne qui est à côté de toi. C'est risqué d'aller me coucher, hein, je veux dire. Mais toujours, tu vas pas être le seul. Hein. Moi, maintenant, je prends mon armure hein, quand je vais me coucher, hein, parce que si je me prends un coup de machin... Hein. Même des fois, je vous dis, c'est le coude ou les pieds aussi, les jambes. Ah, n'habite pas quand même, t'es pas... Si, je le dis. T'es pas maltraité au lit, non? Bah si. Je le dis, c'est tout. Et ce matin, je t'ai fait un bébé, t'as pas été maltraité, non? Un bébé. Elle a fait un bébé tout. Ça fait 3 ans, un bébé. Un bébé tout seul. Oh là là, il va pleuvoir. Enfin, il pleut déjà, de toute façon. Ouais. Il va neiger, c'est tout. C'est qui a dit qu'elle allait... Une abonnée qui a dit qu'elle allait reneiger. Bah hier, au live. Et mais peut-être pas dans l'autre coin. Eh ben, elle était bonne, ces petites tartines. Ça faisait longtemps. Je sais pas, j'ai pas goûté. Pas grand chose d'autre que moi en fait. Mais putain, la même chose. Dites-nous en barre d'infos qu'est-ce que vous allez faire de beau aujourd'hui. Si vous allez sortir, si vous allez vous balader. Oui, j'ai le droit de me gratter les seins, non? Gratte les tétons avec la cuillère. Mais j'ai le droit, je suis chez moi, putain. C'est chez moi, moi aussi je suis chez moi. Non mais là je suis dans mon coin, là. Je suis chez moi, dans mon coin là. Ah, j'ai rien compris. Pourquoi tu le grattes le cou? Oh, Fleury, ça a sa mort, ils ont des cœurs, comme ça. Ils ont des gros cœurs comme ça, tiens, avec la tige en bois. Mais que veux-tu que je le mette où? Bébé, dès qu'il y a un cœur, t'as vu, dès que tu m'achètes un truc, il le prend. Blacko. Ah bah, il est plus gros que lui. Il m'achète des plantes à chaque fois ou des fleurs à Saint-Valentin, donc c'est gentil, elles sont belles. Mais avec des cœurs. 2 jours après, le cœur, il est en train de se balader. avec la tige. Parce que Blacko, il les prend. Il aime bien, Blacko, il aime bien les petits cœurs. Ah mais là il va avoir du mal parce que c'est vraiment le gros format, le gros cœur là. Bon, il s'en fout, t'as vu les trucs qu'il prend, il prend des gros trucs des fois. Ah, quitte ouais. À avoir du mal à les prendre, à les trimballer. Mais... Un peu comme les poils là. Ça va la grosseur de la petite poêle là. Pareil. Mais c'est bien fait en plus, ils sont bien gros. Hein. Mais par contre le prix je sais pas. On doit pas y tenir mon avis. Bah non, ça non, ça coûte pas cher, c'est quoi, 1€, 1,50€. Mais chez les fleuristes c'est pas donné. C'est 1,50€ le petit. Ouais, mais le gros il va être à 3 ou 4 euros. Ça va. Ouais, au moins t'auras un gros cœur. T'auras un gros cœur. It's my life. Et puis ils refont la baignoire. Mais seulement ils ont mis des boules de bain. Ils ont mis des boules de bain dedans. Mais elle est belle la baignoire. Elle est pas en, comme ils font. Ils ont fait les dernières. En action, en plastique, là. Là, c'est pas du plastique, c'est genre de porcelaine. Mmh. Tu sais, comme je te prends pour le muguet. Et lui, je regarde les prix, il a 29,90€. Ou 25€. Il est pas cher. Mmh. Mais c'est sûr, t'en voudras pas, parce qu'ils ont mis des boules de bain dedans. Allez voter. Voter pour qui, ce matin? Je sais rien, moi. Votez pour moi. On vote ce matin? Je suis pas au courant. Ah, bah c'est peut-être pour autre chose. Je
Ah, Muriel, elle a marqué sur Facebook. Ce matin, elle est votée. Ce matin, il faut, il faut aller voter. Tita, tita, tam, tam. Tam, tam, tita, tam. Alors, comme tous les dimanches, nous allons vous annoncer. Annoncer quoi? Bah, les vidéos, c'est qu'est-ce qu'il y a comme vidéo? Y'a rien. Y'a rien. Y'a rien du tout. Rien du tout. Ce gâteau va vous retourner la tête. Ce matin, un lapin a tué un chasseur. Gâteau au chocolat. Un. Poire inversée. Poire inversée. Ouais, c'est comme le gâteau à l'ananas, sauf que c'est poire. Je bon. Ah, c'est ce poisson-là que je vais acheter. Finicage ou d'autres poissons dynamiques. T'as comment l'avait vu déjà? Je sais plus moi. La batterie tient 5 minutes grand max. C'est tout? Ça, pas beaucoup. Hein. Poisson pour chat dynamique. 19 euros. C'est une simulation de poisson réaliste. C'est comme s'ils avaient un vrai poisson qui s'était fait. Ouais, bah ouais. Il bouge. Batterie rechargeable intégrée. Livrée avec un chargeur USB et une batterie intégrée. Qui dure plusieurs jours après une charge complète. Bah, au bout du 5 minutes, quoi. Cela sera assez de temps pour divertir votre chat et soulager le stress. Bah, tu ne dois pas le machiner plus. Elle est à l'intérieur, la batterie, elle est là. Livré avec une poche sans danger pour les chats, ce qui rend facile à recharger avec de l'herbe à chat encore et encore. Ah, on peut mettre de l'herbe à chat dedans. Ah oui, ça les attire encore plus. Ouais, mais l'herbe à chat, tu trouves ça où, toi? Bah, j'en ai deux, là. Ouais, mais ça va pourrir à l'intérieur. Bah, tu le changes après. Ouais, je vois le genre du truc, quoi. Sans danger pour les animaux. Mordu par le chat. Garantie 30 jours. Il y en a des roses. Ah, des roses. Des rouges, des bleus. Et c'est beau en bleu. C'est bon ça pour les baskets. Je vais le faire. Je le fais à, à la cocotte. Il faut acheter des poivrons par contre. T'as des poivrons dans le poulet basket. Poivrons, tomates. Et tu manges ça avec du riz, tant qu'à faire. C'est pas avec des pâtes? Ah non, c'est meilleur avec du riz. Alors, je vais vous dire les nouvelles petites vidéos qui sont sorties. Rien, je t'ai dit. T'as vu vous les baskets sur YouTube là. En fait, comment ça s'appelle Comment ça s'appelait sa chaîne avant? C'est une abonnée à nous. Elle vient sous les lives aussi. Madame Cuisine. Madame Cuisine. Mademoiselle Cuisine. Elle a changé son sur le nom de sa chaîne. Maintenant, c'est Cuisine Facile. Voilà. Je vous le dis si jamais vous êtes. Bah, elle a une bonne chaîne. Faudrait s'abonner. Elle a pas beaucoup d'abonnés non plus. Cuisine Facile. Ouais, faut. Alors que je veux faire un bonnet. 256, je crois. Donc, pensez-y. Pour ceux qui aiment bien faire la cuisine. Elle fait des petites recettes rapides et banales. Voilà. Bon, elle a fait à Paris-Brest. La dernière, c'est Paris-Brest.
Même si vous aimez pas trop les vidéos de cuisine, mais bon, ça peut toujours servir. Parce que bah, elle a des bonnes recettes, elle a fait des pommes duchesses, elle a fait. Les jours que vous savez pas trop quoi faire à manger, bah, c'est quand même agréable d'avoir d'être abonné à des youtubeuses qui font de la cuisine, parce que c'est pas de la merde ce qu'ils font, c'est des trucs très très bien. Et franchement, voilà, c'est pas parce qu'ils font que de la cuisine qu'ils ont pas le droit d'être mérité Ah, faut pas parler de la cuisine, hein. d'avoir d'abonnés. Elle fait des retours de course. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller sur sa chaîne. Bah, regarde, Béa fait des retours de Et course, des cuillères qui sont. Hey, elle a fait dans cette cuisine, bien, j'ai regardé. donc allez-y, tiens, je vous marre. C'est des cuisses de dinde qu'elle a fait. Non, pas des ailerons de dinde. Alors, il y a 25 minutes, il y a. Pourquoi c'est marqué encore Madame Cuisine? Mademoiselle Cuisine. Madame Cuisine. Ah non, c'est pas la même. C'est une autre, ça. Ah, c'est une autre? Ah, c'est peut-être pour ça qu'elle a changé Mademoiselle le Cuisine, mais nom. non, avant c'était Mademoiselle, c'était pas Madame. Ah ouais. Maintenant c'est Cuisine Facile, Mademoiselle Cuisine. Donc là, il y a 25 minutes, il y a Madame Cuisine, c'est encore une autre youtubeuse qui fait de la cuisine. A fait un gâteau nantaise, recette facile et rapide. Il y a 26 minutes, il y a choc miel. Elle aussi fait des bons trucs. Gâteau au miel avec 4 ingrédients. C'est un genre de pain genre de pain au yaourt avec du miel, je pense. Ensuite, il y a 38 minutes, mes secrets de nana arrivent à l'action le 7 février. Ensuite, il y a 1 heure, il y a cuisine rapide. Comment faire une galette italienne? Encore secret de nana, arrivage Lidl, il y a 1 heure. Nini Bouti, il y a 2 heures. Snap avec ma Mélanie. Ouais. Tiens, en fait, ce serait bien qu'on trouve une youtubeuse qui serait d'accord de faire un swap avec nous. Mais c'est quoi un swap? Ou un youtubeur. Je t'ai expliqué la dernière fois. Je m'en rappelle plus, moi. T'achètes plein de petits, je crois que c'est 15, je crois, pas plus. 15 objets. Et tu envoies à la Et tu personne. envoies, bon, tu les enveloppes et tout en papier cadeau, tout ça. Tu mets des petits indices Ah oui. dessus pour qu'à peu près, pas qu'elle devine, mais enfin qu'elle essaye de deviner ce que c'est. Ah oui, comme elle a eu Comme l'a fait Paula. Paula, elle a fait, Ah il y oui. en a d'autres qui l'ont fait aussi. Tu envoies donc ton colis Une à la youtubeuse. youtubeuse ou youtubeur. Et Bonjour. vice versa, c'est le contraire aussi, le youtubeur ou la youtubeuse fait la même chose. J'aimerais bien, moi. Bah, à condition que ce soit pas perdu. Bah, jusqu'à maintenant, les gens, ils n'ont pas perdu leur colis, et ça arrive. Hein. Bah, je recherche donc, je lance une annonce. Je recherche une youtubeuse ou un youtubeur qui voudrait faire un swap. Donc la youtubeuse chez Béa, bouquet de légumes. Ouais, trop beau ton bouquet. C'est génial. Avec la salade chicorée, j'ai trop aimé. La youtubeuse Angeline, je ne sais pas si vous connaissez, c'est bilan semaine du mois de février. Ah, cuisine facile. Voilà. Notre abonnée youtubeuse cuisine facile. Il y a 7 heures, petite recette de Paris-Brest. Ouais, j'ai regardé. Bon, le spray painting, ça vous intéresse pas, ça sert à rien. Il y a Cendre de Rose, une youtubeuse. Elle a fait il y a 9 heures, gardez la Plein de trucs, foi. ça les intéresse pas, s'il y en a qui sont intéressés. Hein. Elisabeth, elle regarde régulièrement Sketch Art et petit. Il y a notre merveilleuse et adorable Noélise. Ouais. Retour de course. Tu dois avoir les chevilles qui vont gonfler, hein, Noélise. Je l'ai vu la vidéo. Retour de course avec Aldil et après, je sais pas.
Aldi, un petit peu Intermarché, il y a un budget à 80 euros. Il y a Hugues Fresh Family, il y a 13h, Diet Vlog 12, nouveau départ pour le truc de régime. Il y a Ma belle-sœur, mon beau-frère, T-Rex Family, calendrier Saint-Valentin. Mais ça, c'est un swap. Hein? Il n'y a pas David, hein, c'est ce que tu lui dis. Ah, d'accord. Ouais, ben, moi, je dis ce qu'il y a. Hein. C'est un swap avec. Six frères. Après, il y a eu. Bah, ils ont fait le live hier. Un peu comme nous, mais eux, ils l'ont fait plus tôt. Le petit monde de Peg, le kit calendrier anniversaire, il y a 16h. Enfin, celui-là, je l'ai pas vu encore. Enfin, je regarde. Donc, un petit coucou à toutes ces personnes-là. Hein, que, bien sûr, on les suit. Centre de Rose, retour de course. Oui, j'ai regardé. Savoureux TV. Hein? Pour un dessert unique, faites dessert. C'est quoi ça? Bah, c'est marqué Savoureux TV. Ah, c'est sur Facebook, ça aussi. Et après, il y a Nathalie Praline. Elle a fait une vidéo de balle de gentillesse, si vous l'avez pas vu. Et je crois qu'elle en a fait un autre. Là. J'ai vu ça sur le truc. Et après, c'est des vidéos qui datent de. Enfin, qui datent. Ah, des vidéos de 20h, 24h. Ça fait longtemps que j'ai pas été voir s'il y avait un panier. C'est bon. Envoyer un message. Il y a Sibyl. Je me coupe les cheveux. Sibyl. Ouais. Te voir. Je me coupe les cheveux. Ah, mais j'ai pas vu ça là. Bah, moi non plus. Mais il était pas tout à l'heure. Donc voilà. Après, bah ça. Voilà, c'est. Après, c'est des 23h, 22h, 20h. Je pense que vous avez dû sûrement les voir. Il y a le retour de course de Mamie Vitamine. Il y a un jour, si vous l'avez pas vu. Je l'ai vu. Il y a celle de un jour aussi de Paula Latina, action top et flop, déçu des, ouais, bah, des produits. Commencé à regarder. Puis... Ouais, il y a les bons plans de Christophe, All Nose, il y a un jour si vous ne l'avez pas vu. Après, Passagère du Temps, Nose aussi, Arrivage, il y a un jour. Il n'y a pas de panier dispo au fond de prix. Encore Secret de Nana, il y a un jour, Arrivage Action. Et puis tu dis un an. Il y a Joël. Il y a un jour aussi, avant qu'on en a fait une nouvelle, je sais pas. J'ai pas été voir. Bon voilà, parce que après ça date. Il y a Miss Gazelle, All Nose, des super trouvailles, si vous l'avez pas vu. Il y a un jour, tu veux dire, bah, peut-être depuis hier. Il y a Fresh Girls USA aussi qu'ils ont fait à nouveau. Après, ça date de trop loin. Donc, bah voilà. Voilà les petites nouveautés du matin des youtubeurs et des youtubeuses. Voilà. Donc, bah voilà. Non, à Spar, il y a un panier. Ah bah, soupir. Ouais, mais à combien aussi 3,99€. Il en reste un seul.
faut y aller entre midi et 13h aujourd'hui. Ah bah mais moi j'ai plus de sous, alors... On va le savoir hein, qu'il a plus de sous, ça fait deux fois qu'il le dit. Hein. Il est pauvre. Oui, je suis pauvre. Je suis pas riche, moi. Je suis pauvre. Pauvre de pauvre. T'as jamais pris chez vous encore les paniers? Non. Rendez-vous à l'accueil pour récupérer ton panier. Pense à prendre un sac de course afin de limiter l'utilisation de bagages. Chose que tu ne manges pas, partage-le. Votre panier sera empaqueté et remporté, mais ne vous en pas jouer à remporter. Donc, bah voilà. C'est la Spar, si tu. Je sais pas, comme tu veux. Bah, je sais pas, c'est toi, hein. Non, c'est pas moi. C'est pas moi qui vais aller le chercher. Mais pourquoi tu. C'est toujours moi qui donne des. Tu montres genre à moi, si t'as envie de. Si t'as envie de le prendre, tu le prends, bébé. Moi je m'en fous. Moi. Mais par contre, faut que je te passe mon téléphone aussi. Ah bah oui, tu veux que je fasse comment ça? Bah oui, parce que c'est trop. Oui, mais est-ce que tu vas savoir faire sur mon téléphone? Donne-moi ton téléphone là. C'est pour mettre l'application. De toute façon, on va couper. Bon, bah, au revoir. Bonne journée. Bon, allez. Rendez-vous sur les lives. Se termine cette petite vidéo de bon appétit, déjeuner du matin. Voilà, comme d'hab. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, de battre les zones, de la petite cloche, de vous abonner. Restez fidèles à notre chaîne. Merci à tous, merci encore une fois pour les nouveaux abonnés qui arrivent. On est à 1920. Donc cool, bientôt 2000. Ça fait plaisir, voilà. Au moins on aura dépassé les 1000, déjà c'est voilà, c'est bien. 2000, moi ça me suffit 2000, franchement je suis hyper content. Avoir 2000, franchement c'est bien. 1000 j'ai été content, 2000 je suis encore un peu plus content. Bah... À midi, il est encore sur la vidéo, comme ça le panier. Oh, mais ta bouche! Guillaume, c'est, j'ai remarqué quand il dit liker, commenter, partager, la, ça veut dire normalement, ça veut dire qu'on vous dit au revoir, on coupe. Mais oui, mais après, ça me revient. Et blablabla. Après, mon cerveau. Et après, il y a des lumières qui s'installent dans mon cerveau. Blablabla. Là, il va vous redire liker, commenter, partager, abonnez-vous. Il y a des lumières qui s'installent dans mon cerveau. Et puis. Ouais. Moi j'ai du mal à. Un lapin. J'ai du mal à voir les. Ça c'est produit fini. Vous l'avez. J'ai du mal à voir les gens. Oh oui. Tiens. Et ça, à mon avis, tu peux jeter de la pluie de boue hein, depuis 6 janvier. Bah, je sais pas. Hein. Bah, laisse-le là, on va le jeter. Bah, je sais pas. Hein. Bah, je sais pas. Hein. Bonne nuit. Le frigo est mal fermé. Bonne nuit. Oh l'autre, elle a tout éteint la meuf. Mais t'es sérieuse? J'ai dit bonne nuit. T'as coup, t'étais... Ah, ça va mieux. Il est l'heure, on se lève. T'as coup, t'étais à l'école ou quoi? Ouais, pour réveiller tout le monde. J'ai comme dans les visiteurs. Jour, non, nuit. Jour. Et les ampoules, les ampoules, c'est moi qui paye. Ah, normalement, il dit l'électricité, c'est lui qui paye, mais là, c'est les ampoules, alors que c'est pas vrai d'ailleurs. Bah, allume, bordel de merde. Éteins, bordel de merde, allume. Eh, vous pouvez pas. Diablesse, elle m'arrave là. Bah, je vous descends parce que je commence à avoir mal au cou. J'allais dire mal au couille. Ils sont trop hauts, les gens. Non, j'ai pas dit mal au couille, hein. J'ai dit mal au cou. Non, mais je vais y dire mal au couille. Oh, J'accouille! T'as mal aux couilles! T'as mal aux couilles. Bah allez, gros bisous à tous. On vous fait des gros bisous. Oh, 3 heures de vidéo. 3 heures? Allez, à une prochaine petite vidéo de petit déjeuner ensemble. Allez, ciao, ciao, bisous!